Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo qui n'est pas sur le manga, mais qui parle de l'univers de cette chaîne. Donc, en fait, je voulais juste te rappeler que j'avais un compte Utip depuis un peu plus maintenant d'un an. J'ai eu cette somme-là en don. J'avais fait surtout mis en avant jusqu'à septembre l'an dernier parce que j'envisageais d'utiliser ces 60 € que j'ai eu au tout début. C'est après, la différence, c'est après. Et je ne sais pas qui m'a donné parce que je n'ai pas eu les mails. Mais toujours est-il, donc sur Utip, j'ai eu de base 60 € que je devais utiliser en septembre l'an dernier. Mais avec le coco, je ne pouvais pas faire ces vidéos parce que ce n'était pas Covid, pré-Covid, tu vois, distanciation, tout ça, bref. Toujours est-il, je n'ai jamais touché à cet argent, je l'ai toujours laissé. Et là, j'ai fait un virement juste pour pouvoir voir si ça marchait correctement, etc. Si tu vois cette vidéo, c'est donc que ça a marché. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas toucher à cet argent pour l'instant. Je veux d'abord t'expliquer un petit peu, etc. Le compte Utip et les dons qui seront faits sur ce compte serviront à faire des futurs Otaku France Tour. Cette année, je visais de base de faire Paris. Et de faire du coup plusieurs vidéos et de vraiment faire pas mal de boutiques de Paris, de torcher ça sur plusieurs jours. Seulement le budget pour Paris serait un peu trop gros, donc je préfère me diriger vers une autre ville qui me demanderait moins de temps en nombre de jours, donc moins de nuits, donc moins de dépenses. À savoir juste, je tiens à préciser que les dons Utip servent à payer soit le transport, soit les dodos, mais ne servent jamais à payer ma nourriture. La nourriture, c'est moi qui me la paye moi-même. Et je la paye actuellement. Là, je vais la payer principalement grâce à l'application WeWords. Je t'ai fait une vidéo sur EBWords. C'est une application qui te rémunère quand tu fais du sport, quand tu marches, etc. Donc, je suis en train d'essayer de voir justement pour atteindre un... Parce que c'est des paliers du nombre d'euros que tu peux transférer. Donc, je suis en train d'essayer d'atteindre le palier suivant, le prochain palier. Si j'ai déjà atteint un, mais je voudrais atteindre le suivant quand même. Pour faire un virement justement et ça paierait ma nourriture. Donc vous ne me nourrissez jamais, je tiens à préciser, parce que je trouve ça important. Les nuits d'hôtel, le transport sert à faire la vidéo. Me nourrir, bon, ça sert aussi à ce que je sois en état pour faire la vidéo, mais c'est du personnel, je trouve. Donc jamais vous me payez la nourriture. Et d'ailleurs, la dernière fois quand j'avais fait les vidéos à Paris, quand j'étais allée à Paris, vous aviez participé du coup au train et du coup à une nuit, je crois. Et moi, j'avais payé le reste. Et pareil, vous aviez participé via les ventes Vinted à ce moment-là pour aussi mon voyage à Nantes. Et donc, ma nuit d'hôtel plus le train pour aller à Nantes. Donc là, je vous invite tout simplement, si vous pouvez, à participer. Si vous ne pouvez pas, essayer d'en parler aux gens autour de vous qui sont fans de manga, qui pourraient être intéressés justement par les vidéos Otaku France Tour. À savoir aussi que j'en profiterai aussi pour... essayer d'instaurer une nouvelle catégorie de vidéos qui devrait voir le jour prochainement, d'ici peut-être la fin de l'année, si on arrive à faire quelque chose. Voilà, parce que je ne suis pas tout seul pour cette catégorie. Et donc, voilà. Donc, n'hésite pas, si jamais tu peux, même 1 €, ça serait déjà génial et ça m'aiderait vraiment à pouvoir payer, du coup, les nuits. Là, il me faut au moins 2, je crois. Enfin bon, je verrai par rapport aussi à ce que j'ai au niveau du budget. Mais voilà, donc si jamais tu as envie de participer à la chaîne et avoir plus de vidéos Otaku France Tour, parce qu'on m'en demande, mais comme par exemple quand je suis allée l'an dernier à Sarlat, j'ai fait une petite vidéo. Bon, il n'y avait pas beaucoup de boutiques, mais j'ai profité de mes vacances pour faire du coup un Otaku France Tour. Paris, c'était infaisable. Entre vacances, le vrai vacances et... les boutiques, c'était vraiment infaisable, donc j'ai préféré abandonner. Mais là, par exemple, je vais aller prochainement en vacances avec mes parents et je vais essayer de voir pour caser justement quelques boutiques, si jamais il y en a là où je vais, parce que je n'ai pas encore cherché. Voilà, en tout cas, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo, je ne veux pas dire qu'elle t'aura plu, mais n'hésite pas vraiment à la partager un maximum à tes amis, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye. Et au cas où, la YouTube monnaie, je la mets de côté pour pouvoir me racheter des éclairages parce que mes éclairages ont fait la guerre, ils datent d'avril 2014 et ils sont clairement morts. Voilà, au cas où.